Bâton à la main, ces grévistes sud-africains veulent empêcher leurs collègues de rompre le plus long combat dans l'histoire du secteur minier. Après 4 mois de paralysie, la mine de platine de Marikana en Afrique du Sud a réouvert, mais les grévistes ont prévenu qu'ils empêcheraient quiconque de descendre dans les puits. Un acte d'intimidation pour les ouvriers qui souhaitent reprendre le travail. La tension est vive, 3 mineurs ont été assassinés ces derniers jours, d'autres ont été blessés. La police est mobilisée pour escorter ceux qui veulent redescendre dans la mine. Les grévistes réclament un doublement du salaire minimum pour le porter à 800 euros. Les négociations sont rompues depuis 3 semaines.